Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous présenter quelques produits de la marque Sienne. Donc je pense que vous le savez maintenant, ce sont des produits que l'on trouve chez Lidl. Donc des produits de soins et quelques produits make-up qui sont à bas prix mais qui sont d'une qualité vraiment, on va dire, défiant les grandes marques. Donc ils avaient sorti il y a quelques temps un petit catalogue comme ça, que vous avez pu avoir soit dans votre magasin Lidl, soit dans votre boîte aux lettres. Et donc, ce sont les prix qui sont constants. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le petit document afin de pouvoir vous faire, cette petite revue avec des prix réels, voilà, sans me tromper, on va dire. Donc voilà, je vais vous présenter quelques produits de la gamme en fait quotidienne de chez Lidl. Donc, ce sont des produits qu'ils ont vraiment tout le temps en magasin, toute l'année. Et puis, j'ai quelques produits qu'ils n'ont pas toute l'année en magasin. En fait, chez Lidl, vous avez 3 à 4 fois par an une, comment on peut appeler ça, une petite campagne, en fait, avec des produits de soins, mais qui sont là que temporairement. Et donc, vous pouvez les trouver jusqu'à épuisement du stock. Et puis ensuite, il se passe un certain temps où vous avez que les produits quotidiens. Et hop, à une nouvelle, c'est à peu près par saison. À une nouvelle saison, hop, vous avez à nouveau une gamme de produits, mais ce sont des produits qu'on peut retrouver d'année en année. Donc, je vais commencer par les produits que l'on ne trouve pas tout le temps, puisque le premier produit que je vais vous présenter est en ce moment dans mon Lidl. Donc, je pense que dans tous les Lidl de France, il doit y avoir à peu près les mêmes produits. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est un lait de bain, vanille, sésame, lait de bain, huile de sésame nourrissante et vanille. Donc ça se présente sous forme de poudre, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est de la poudre avec des petits grains dedans. Quand vous la mettez dans l'eau chaude, ça fait une eau qui devient laiteuse, donc c'est très très agréable. Effectivement, c'est assez nourrissant, moi qui ai la peau très sèche, ça ne me tiraille pas une fois que j'ai utilisé ce produit. Ça sent, mais alors, extrêmement bon pour les personnes qui aiment la vanille. C'est une vanille qui est à la fois gourmande, mais à la fois pas trop sucrée. C'est vraiment... moi, j'adore. Et ça reste sur la peau. Donc, eux, ils nous disent, verser sous le jet du bain 5 à 6 capuchons de lait pour le bain dans une baignoire pleine. Profitez de votre bain pendant 10 à 20 minutes à une température d'eau entre 36 et 38 degrés. Laissez-vous envelopper par un voile de douceur avec l'huile de sésame nourrissante et la vanille précieuse dans un mélange issu d'une recette unique. Alors franchement, celui-ci, moi je l'adore. Alors, il existe en 3 parfums, sauf que celui-là, vous voyez, c'est de la poudre qu'on va mettre dans l'eau et ça va devenir un petit peu laiteux. Vous avez aussi des perles, donc c'est des toutes petites billes qui... Bon, c'est le même présenté pareil, hein. Donc ce sont des toutes petites billes roses. C'est à la rose et il y a un autre parfum avec. Je ne saurais plus vous dire ce que c'est. Je ne sais pas si je l'ai dans mon petit dépliant, comme c'est pas la gamme quotidienne. Je vais regarder... Je perds un petit peu de temps, je suis désolée, j'ai pas préparé du tout la vidéo. Non, je l'ai pas en fait dans le petit livret, mais en fait c'est des petites perles roses. Je sais que c'est à la rose, mais il y a quelque chose avec. Donc pour les personnes qui, comme moi, n'aiment pas trop l'odeur de la rose, en fait ça se marie très très bien avec l'autre, je ne sais pas si c'est du jasmin ou autre chose, je ne me rappelle plus, je vais pas vous dire de bêtises. Mais en fait ça se marie très très bien avec l'autre odeur et finalement l'odeur de rose passe super bien. Donc dans ce flacon, on a 400 grammes et franchement ça fait longtemps. Alors moi je l'utilise quand je prends un bain, mais je prends rarement des bains. Donc autrement je l'utilise aussi quand je fais des bains de pied. J'adore mettre ça dans l'eau pour faire des bains de pied et ça adoucit vraiment bien les pieds. Donc toujours pour rester dans les produits qui sont là que temporairement, vous avez les masques pour le visage de chez Action. Donc j'ai plus le prix en tête hein, pour ce produit, mais c'est vraiment pas cher du tout. Hein. Ça doit être dans les 2,50€, quelque chose comme ça. Hein. Donc les masques par contre eux sont à 99 centimes et comme vous pouvez le voir on en a deux en fait, on peut découper ici, donc ça fait deux utilisations. Donc en fait moi j'ai pris le masque anti-ride puisque bon ben voilà j'ai 40 ans hein, donc il faut traiter les petites ridules. Donc le masque anti-ride, mais après il y a aussi le masque effet lifting, j'avais eu une fois. Donc voilà, qui fait tenseur.
Vous avez une masque hydratante tout simplement pour les personnes qui vont être beaucoup plus jeunes et qui ne vont pas forcément avoir envie d'un produit anti-rides. Et je crois qu'il y en a une quatrième, excusez-moi, qu'il y a une quatrième forme aussi, mais je ne me rappelle plus. Donc celui-ci est au Q10, donc forcément, voilà, pour les rides. Donc raffermit et lisse les peaux exigeantes. Formule à l'huile de pépins de raisin et à l'acide hyaluronique. Voilà. Donc on l'applique sur la peau. La peau propre, bien sûr, hein, mais bon, je vais pas vous le dire. Hein. On l'applique sur la peau, on laisse faire son effet pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, on essuie avec ce qu'on veut, un petit coton, un petit gant de toilette, ce qu'on veut, l'excédent en fait de produit. Et soit on peut rincer son visage et hydrater sa peau derrière avec une crème, soit on peut juste masser légèrement le restant de produit qu'on va avoir sur la peau une fois qu'on a enlevé le plus gros. Et du coup, on n'a pas besoin de s'hydrater derrière. Et c'est vraiment des masques qui sont super réconfortants et très, très hydratants. Moi, en général, j'aime bien le faire le dimanche, en fin de journée. Voilà, quand on n'a rien fait de la journée, qu'on s'est reposé, et tout, ça fait du bien, un bon petit masque. Et à main de pied, c'est top. Et vraiment, ils sont très, très hydratants. Alors après, l'effet anti-rides, je vais vous dire, on voit pas en fait d'effet immédiat, mais par contre on a la peau très lisse, très douce, très souple, donc c'est vraiment très très agréable. Et puis ça peut qu'hydrater notre visage, donc qui dit combattre les rides dit une bonne hydratation, donc c'est parfait. 99 les deux petits masques, 99 centimes pardon. Et ensuite un dernier produit que l'on trouve temporairement, bon il y a d'autres produits hein, qu'on peut trouver temporairement, mais j'ai plus que cela moi, donc j'en ai deux. Donc, ce sont des peelings sous la douche. Voilà, donc j'en ai un au calendula et j'en ai un autre vanille huile de sésame. Donc ça, c'est pareil, je n'ai plus le prix en tête, mais je crois que c'est à peu près dans les 2 euros, pas tout à fait. Et en fait, il y a 80 grammes là-dedans. Mais alors, quand vous voyez le truc, moi, je fais 3 douches avec et j'ai de la surface à gommer. Ma fille qui l'utilise, elle fait 4 douches avec. Donc, c'est vraiment économique. Et puis en fait, donc c'est vraiment alors un peeling avec vraiment des petits grains comme des petits grains de sable. Donc il va vraiment gratter votre peau, mais sans vous faire mal à la peau. Et en plus, à l'intérieur autour de ces petits grains de sable, vous avez une huile hydratante. Donc en fait, même moi qui ai la peau super sèche, ça ne m'abîme pas la peau. Et par contre, quand je vais me rincer, j'ai pas besoin de m'hydrater derrière. Ma peau est vraiment super, super, super souple, super douce. Et ça me tiraille pas, ça me picote pas, ça me gratouille pas. Vraiment, c'est très hydratant. Et je vous dis, moi, je fais 3 douches avec. Donc, c'est super. Les odeurs sont super. Ils existent donc en 3 parfums. Donc, celui-là, comme je vous l'ai dit, calendula. Celui-là, vanille, huile de sésame. Donc, comme le produit bain que je vous ai montré. Et il en existait un autre, c'était mon préféré, c'était à l'huile de noix et à la figue. Vraiment, vraiment top. Donc quand il y en a, ben, je fais le plein. Bon après, ça dure assez longtemps, hein, puisque bon, je ne m'en sers pas tout le temps, je panache avec d'autres d'autres peelings, mais vraiment super. Maintenant, on va passer aux produits que j'ai actuellement, parce que bon, j'en ai testé d'autres, hein, mais j'en ai plus sous la main, ils sont partis dans mes produits terminés. Donc, les produits que j'ai quotidiennement et que l'on peut retrouver tout le temps chez Lidl. Donc, tout d'abord, le gommage quotidien Aquarich pour le visage. Donc, il existe aussi sous forme de gel nettoyant, tout simplement. Donc là, c'est un gel avec des microbilles. C'est même pas des grains, en fait, c'est des microbilles. Et vraiment, ça a un effet exfoliant, mais c'est pas du tout agressif pour la peau. Et après, ça laisse votre peau toute douce et on a vraiment une sensation de propreté, de fraîcheur. En fait, l'odeur est un petit peu... ça coule un peu, hein. Je l'étais dans ma douche. C'est une odeur un peu marine, mais pas trop. Voilà, pas trop forte. Et vraiment, on a vraiment l'impression qu'on a bien la peau bien nettoyée. Moi, je m'hydrate derrière, hein, comme j'ai la peau très très sèche, mais il n'est pas non plus desséchant. Et puis, donc eux, ils nous disent « Exfolie et affine le grain de peau pour peau normale à mixte, gommage quotidien. » Et effectivement, je m'en sers tous les jours sous la douche et ça ne déshydrate pas la peau pour autant. « Appliquez par léger massage sur la peau humide du visage, du cou et du décolleté. Évitez le contour des yeux. Après application, rincez à l'eau tiède. » Voilà, tout simplement. Je sais que beaucoup
d'entre vous l'utilise et le trouve top, et surtout le gel nettoyant. Mais c'est le même principe, hein, sauf que celui-là est légèrement gommant, l'autre ne l'est pas du tout. Je suis désolée, on entend mon téléphone. Voilà. Ensuite, un gel de toilette intime, donc toujours la marque Sienne, hein. Donc là, c'est un gros flacon de 500 ml. Donc, vous en avez pour un moment. Moi, je l'ai entamé depuis un moment. Je m'en sers tous les jours. Et franchement, il m'en reste à peu près la moitié. Ça dure très, très, très longtemps. Il sent très, très bon. Il est à l'aloe vera. Il est vraiment très, très doux pour la toilette intime. Nettoie en douceur et préserve l'équilibre naturel de la peau. Sans savon, sans parabène. Testé sous contrôle dermatologique. Bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce produit, si ce n'est qu'il est vraiment très très doux avec les muqueuses. Il sent bon. Il sent un petit peu la violette, mais légèrement. Il est vraiment... il nettoie bien, on se sent propre, on se sent fraîche une fois qu'on l'a utilisé. Il mousse pas énormément, mais vraiment on se sent bien propre. Donc c'est le principal. Il a une odeur très légère, donc il ne laisse pas une grosse odeur sur notre intimité. Voilà. Mais franchement, non, il est très 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 bien et il dure super longtemps, les filles. Allez-y. Donc, je ne sais pas si celui-ci, je l'ai dans mon petit dépliant. Je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. Non, apparemment, je ne l'ai pas non plus. Mais celui-là, c'est autour d'1,50€. Voilà, pour 500 ml, donc il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, on va passer aux deux autres produits de soins. Et puis après, ce sera du make-up. Voilà. Donc, produits de soins que vous connaissez toutes et qui ont fait vraiment un tabac sur la toile. Les crèmes Sienne, donc les crèmes visage bien sûr. Hein. Donc la crème anti-rides Day Cream, voilà, au Q10, donc la crème de jour. Et puis la crème de nuit au Q10. Donc vous savez toutes, je pense maintenant, que ces crèmes, en tout cas celle de jour, a été testée par le magazine 40 millions de consommateurs. Et elle est arrivée deuxième après une crème Chanel, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, franchement, elle est top, quoi. Alors, son prix est de 2,99€. Que ce soit celle-ci, que ce soit celle-ci. Il y en a aussi une qui est bleu clair. C'est la Aqua. Aqua quelque chose. Aqua hydratante, je crois. Et en fait, je l'ai achetée à ma fille qui a 16 ans. Qui a la peau un peu grasse, forcément, hein, par rapport à son âge. Et donc, quand on a la peau grasse, on n'aime pas mettre une crème qui va donner un effet gras, en fait, au niveau de la peau. Donc, la crème Aqua, donc celle qui a le bouchon bleu turquoise, elle est vraiment toute légère. C'est une crème un petit peu texture gel. Elle est toute légère. Elle est vraiment très hydratante. Moi, je l'ai utilisée aussi. Elle est très, très bien. Mais elle va donner vraiment un effet de fraîcheur, de légèreté. Et en général, c'est vrai que quand on est adolescente, c'est ce qu'on préfère. Donc, le même prix. Et vous en avez une avec un capuchon violet. C'est une crème qui fait matin et soir, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, celles-ci sont au Q10. Donc ça sent un petit peu la crème Nivea. Je sais que certaines personnes qui travaillent en parfumerie ont déjà dit que ça sentait une crème de chez Chanel. Mais je ne la connais pas. Moi, j'achète pas Chanel. Voilà. Donc, vous en avez 50 ml. Donc, ça fait un bon moment. Et puis, donc, 2,99€, cette crème qui a vraiment un effet tenseur au niveau des ridules des yeux. Moi, j'ai vu un effet, mais ça fait à peu près 3 à 4 mois que j'utilise cette crème maintenant. Donc voilà, il faut peut-être un petit peu de temps avant qu'on voit l'effet. Mais franchement, je la trouve top, elle hydrate bien, elle n'est pas trop grasse, pas trop riche, mais quand même juste ce qu'il faut pour pouvoir justement donner un petit peu de peps au niveau des rides et les repulper un petit peu. Et puis donc, le même procédé, mais en crème de nuit. Voilà. Donc la crème de nuit est un tout petit peu plus riche au niveau de l'hydratation. Et autrement, ce sont les mêmes composants. Et la crème de jour, par contre, elle contient un SPF. Alors, je ne l'ai pas là. J'ai pas le packaging. Attendez, je vais regarder sur mon petit livre si je la trouve. Alors, eux nous disent quoi? On entend souvent que les crèmes les plus efficaces sont celles qui sont le plus chères. Et ce n'est pas vrai du tout. Effectivement, ce n'est pas forcément vrai. Pour moi,
la grande découverte du moment, c'est la crème anti-rides Q10, un parfum agréable, une texture légère, une absorption immédiate, ça je confirme. Le must pour une hydratation optimale à un prix canon. Oui, la crème Q10 est un secret de beauté, je ne peux plus m'en passer. Donc, 2,99€ les 50 ml. Bon, ils nous disent pas au niveau de l'FPS, mais... Oui. Non, il n'est pas écrit là. Mais je sais qu'il est écrit sur la boîte. Hein. J'avais regardé au niveau de la boîte, c'était écrit. Autrement, il y a de la vitamine E dedans, de l'acide hyaluronique, du Q10. Et ce sont des crèmes qui sont très bien pour les peaux exigeantes. Voilà ce qu'on nous dit. Et donc, la crème, donc la même qui a le bouchon violet, elle s'appelle la crème 24 heures. Celle-ci est aussi à l'acide hyaluronique et contient du panthénol. Et elle est pour tous les types de peau et on peut la mettre le matin et le soir. Et la bleutée, dont je vous parlais aussi, celle que j'ai achetée à ma fille, est donc la crème aqua avec de la glycérine et du panthénol aussi pour tout type de peau et on peut l'utiliser aussi matin et soir. Et elles sont toutes les 4 à 2,99€. Donc là, j'ai le prix du gel pour le visage et du gommage. Ils ont le même prix, 1,49€. Voilà. Ensuite, on va passer au produit make-up, puisque c'est tout ce qu'il me reste. Donc, normalement, il y a les produits make-up ici. Voilà, donc tous les produits make-up chez Lidl sont à 1,99€. Que vous achetiez, pardon, un fard à paupières, un rouge à lèvres, un crayon pour les yeux, un mascara, tout est à 1,99€. À un moment, ils avaient par contre des petites palettes de fards où il y avait plusieurs fards dedans et le packaging ressemblait un petit peu aux produits Benefit. Là, ils étaient à 4€ et quelques, mais c'était une belle palette quand même. Mais autrement, tout ce qui est en mono, j'ai envie de dire, est à 1,99€. Donc moi, j'ai pris le rouge à lèvres, comme ceci. Donc le packaging est très sympa. Le bouchon tient vraiment très bien. On peut l'emmener avec nous partout. Donc moi, j'ai pris la teinte numéro 36, qui s'appelle Matte Rosé. Je vais vous faire un swatch, que vous puissiez le voir. Voilà. Donc c'est un bois de rose un petit peu. Il est très très joli, il est satiné, c'est pas un mat. Hein. Donc ils nous disent lipstick, valable 12 mois après ouverture, marque Sienne tout simplement. Bon, le packaging est joli, voilà, il est assez sympa. Il tient très très bien. L'odeur, il sent la crème Nivea et il est hyper hydratant. Moi je le porte souvent en journée pour travailler. Bon, j'en remets un petit peu après manger le midi parce que bon, bah forcément, il va s'enlever un petit peu au milieu des lèvres, en fait. Hein. Mais il tient bien, il est très hydratant, donc moi, c'est ce que je recherche. J'aime pas les rouges à lèvres vraiment trop secs. Donc voilà pour ce petit rouge à lèvres, 1,99€. Et vous avez à peu près 6 teintes, si je ne me trompe pas, en magasin. Ensuite, nous avons les glosses. Donc moi, j'aime pas trop les glosses, mais je les trouve assez sympas. Donc les glosses, toujours la marque Sienne. Voilà. Donc j'en ai un de couleur un petit peu framboise. Donc, eux sentent très très bon. Ils sentent un peu la pastèque, les fruits, mais sucrés. Voilà. Et bon bah, qui dit gloss dit ça colle un petit peu, forcément. Donc il colle un petit peu, hein, je l'avoue, mais pas trop. Donc moi j'aime bien par exemple celui que je vais vous montrer là, j'aime bien le porter par-dessus un rouge à lèvres parce qu'il est transparent avec, je ne sais pas si vous allez bien le voir, avec des effets un petit peu dorés, rose doré. Et vraiment c'est très très joli pour le mettre un petit peu par-dessus un rouge à lèvres. J'en mets pas tous les jours parce qu'effectivement j'aime pas l'effet collant des glosses et il colle un petit peu, mais bon c'est pas non plus excessivement gênant. Et puis, vous avez aussi le Color Lip Butter qui se présente comme ceci, sous forme de gros crayon. Et c'est un baume à lèvres coloré. Donc voilà, vous tournez, ça monte, il n'y a pas besoin de le tailler. Donc ça, moi, j'apprécie énormément. Je vais vous faire un swatch. Donc c'est légèrement coloré. Hein. Donc celui qui est tout en bas, légèrement violet.
Voilà. C'est légèrement coloré, mais ça fait des lèvres bien brillantes, bien douces. Il n'est pas d'une grande folie niveau hydratation, mais on peut en remettre plusieurs fois dans la journée. Voilà, sans souci, ne dessèche pas les lèvres pour autant. Donc celui-ci s'appelle Wild Plume, c'est le numéro 4. Et donc pour terminer cette vidéo, nous avons donc le mascara de chez Sienne, qui est un mascara noir. Celui-ci n'est pas waterproof. C'est une grosse brosse en poils synthétique. Ce n'est pas une brosse avec des picots plastiques. Et il est vraiment très bien. 10 millilitres et toujours 1,99 €. Donc voilà, allez-y, foncez. Il y a plusieurs sortes. Vous avez aussi les mascaras avec brosse en picot et vous avez aussi les mascaras waterproof. Donc pour terminer cette vidéo sur les produits Sienne, à savoir qu'il y a aussi des lotions toniques pour le visage. Vous avez la rose qui est la lotion tonique douceur et la bleue qui est la lotion tonique fraîcheur à 1,25 €. Vous avez un démaquillant pour les yeux à 1,25 € aussi, un lait démaquillant à 1,25 €, encore une fois. Enfin voilà, vous avez des shampoings, des gels douche. Il y a vraiment de tout. Je regarde dans mon petit catalogue encore pour ne rien oublier. Vous avez aussi des sprays coiffants. Oui, j'utilise aussi le spray coiffant. J'aurais pu vous le montrer d'ailleurs, qui est très bien. J'utilise depuis des années. Vous avez des boîtes de crème pour s'hydrater le corps, genre crème Nivea, quoi, mais sauf que c'est la crème Sienne. Donc vous avez la classique et la soft, comme chez Nivea, justement. Vous avez du lait pour le corps, vous avez des déodorants en spray, déodorants en bille, qui sont vraiment très bien. Et puis, quoi vous dire d'autre? Dans le maquillage, vous avez de tout. Vous avez des fonds de teint, des bébés crèmes, du vernis à ongles. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, rendez-vous dans vos Lidl pour aller découvrir la marque Sienne. Si c'est pas déjà fait, et franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, tous les produits que j'ai utilisés, même en ayant la peau sensible, j'ai pas eu de soucis. Et j'en suis très contente. Donc, allez-y les yeux fermés. Les prix sont vraiment très attractifs. Et vous ne serez pas déçus de la qualité des produits. Sur cette petite vidéo qui se termine, malheureusement, je vous souhaite je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et pour vous dire au revoir, je vous souhaite aussi une très bonne fête puisque c'est la journée de la femme aujourd'hui. Donc plein de bisous à toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo et profitez bien de notre petit jour spécial. À très bientôt. Au revoir.